Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler de l'Assemblée générale de l'ONU qui a eu lieu aujourd'hui, dans laquelle Macron s'exprimera vers 20h. Mais à ce stade, on a déjà vu le discours du secrétaire général de l'ONU qui s'est exprimé. Alors lors de cette réunion, on craignait que ce soit une réunion mondiale qui ne traite que de l'Ukraine et que du coup on ne traite pas des autres problèmes qui ont lieu dans les autres continents autres que l'Europe et qui concernent les autres populations qui ne sont pas les populations européenne et blanche, on va dire ça comme ça. Les chefs d'État des autres pays, notamment les chefs d'État africains, mais aussi d'Amérique latine, donc, craignaient qu'on ne traite pas les problèmes qui sont inhérents à leur propre situation et leur propre population. Donc, ça peut être les problèmes de famine, les problèmes de pauvreté, les problèmes de maladie peut-être, les problèmes de crise énergétique, les problèmes de crise alimentaire, les problèmes de crise financière, de crise économique que subissent plusieurs pays et les crises aussi climatiques que subissent tous les pays autres qui ne sont pas dans l'Europe et qui sont dues notamment au développement économique européen, c'est très clair. Tous les progrès qui ont eu lieu dans les pays du Nord ont été les règlements climatiques pour les autres pays, le dérèglement météorologique et la pollution et la destruction de la planète et du climat. Ça a été fait sur le dos des autres, d'autant plus que les changements climatiques les plus importants se produisent dans les pays du Sud, notamment en Afrique, ce qui va donner lieu à des problèmes de migration, de déplacement de population, etc. Donc tout ce dérèglement est quand même dû au développement économique de l'Europe et au progrès du niveau de vie en Europe. On a quand même beaucoup de pays du monde qui viennent à cette Assemblée générale de l'ONU dans l'intention de faire parler de leurs problèmes à eux, de leurs problèmes qui ont lieu dans leur pays et dans leur continent et qui ne sont pas le problème ukrainien, qui ne sont pas la guerre en Ukraine, puisque pour eux, l'Ukraine n'est pas le centre du monde, l'Europe n'est pas le centre du monde, et outre la guerre en Ukraine, il faut s'occuper de leurs problèmes aussi, et donc ils remettent en cause la solidarité envers l'Ukraine. Pour eux, la guerre en Ukraine n'est pas un point central que l'Europe doit leur imposer comme l'alpha et l'oméga de leurs décisions qu'ils doivent prendre, alors qu'ils ont des populations à gérer, des crises, encore une fois, de la pauvreté. Donc les pays attendent à ce que, à l'ordre du jour, il n'y ait pas que la guerre en Ukraine et qu'on puisse parler de toutes les crises qui existe dans le monde entier, qui concerne toutes les populations, et en plus la majorité de la population, puisque l'Europe n'est pas la majorité de la population, l'Europe est une minorité, et tout le reste du monde, en fait, c'est la majorité de la population qui subit l'hégémonie occidentale, et cette hégémonie qui est contestée, fortement contestée, et sur tous les sujets. Donc les pays africains et les pays latino-américains réclament le droit de ne pas considérer l'Ukraine comme le centre du monde, ou Londres, ou les États-Unis, ou l'Europe. Voilà. Malheureusement, dans le discours d'Antonio Guterres, donc le secrétaire général de l'ONU, on sent quand même une volonté de faire en sorte que l'Ukraine soit quand même dans les préoccupations mondiales, en faisant passer le problème ukrainien pour un problème mondial, en montrant les camions de livraison de céréales, les camions de livraison de nourriture, en disant que la guerre en Ukraine pourra éventuellement engranger une crise alimentaire et une crise énergétique qui va concerner tout le monde. Antonio Guterres, comme ça, a essayé de relier la crise en Ukraine avec le reste du monde, la famine, le dérangement climatique, etc. Il a fait semblant de s'occuper des autres sujets, mais c'était quand même une manière de dire de relier tous ces sujets à l'Ukraine et de faire semblant qu'on va s'occuper des problèmes, notamment climatiques, de crise alimentaire, etc. Il a aussi évoqué le fait de faire des prêts à l'Afrique pour le développement économique, faire des prêts. On sait que la politique du prêt en Afrique, ça ne fait que creuser la dette dans ces pays-là sur une base où normalement il n'y avait pas de crise de la dette avant, de crise bancaire. Et si on venait face à des personnes qui sont pauvres et qui ne peuvent pas rembourser leurs dettes parce que il y a une partie de l'Afrique qui souffre de la grande pauvreté, on peut aller sur une crise de la dette, une crise financière, une crise bancaire de l'Afrique qui au départ aurait pu être évitée si on n'avait pas foncé en Afrique, notamment les Chinois, avec une politique de la dette, alors qu'on sait qu'on a affaire à des pays qui peuvent potentiellement ne pas rembourser la dette. Et c'est la Chine et la Russie qui sont partis envahir comme ça l'Afrique. Et on sait que la politique de la dette, c'est jamais dans le but de favoriser les populations locales. La politique de la dette, c'est toujours pour pouvoir, à la fin, avoir la propriété et racheter le terrain dans le pays où on s'est implanté. La politique de la dette, c'est dans le but de saisir les biens des propriétaires pour se rembourser, parce qu'on sait que les propriétaires ne vont pas rembourser. Et donc, le but, c'est une technique pour racheter comme ça, grappiller du terrain, et racheter du terrain dans un pays qui a besoin d'être autonome,
et d'être souverain sur ses terres. C'est comme ça qu'on a fait plier la Grèce, par exemple, en lui faisant vendre tous ses biens, les bijoux du roi, en faisant vendre tous les ports aux Chinois pour éponger la dette. C'est comme ça qu'on a eu la Grèce. Et quand on fait de la dette, on ne fait jamais de la dette pour aider les entreprises à se développer. C'est la dette dans le but de savoir que ça va pas être remboursé et qu'on va pouvoir saisir les terrains. Donc ça aussi c'est un grand problème. Et Antonio Guterres vient de dire à tout le monde, devant le monde entier, en Mondovision, qu'il y aura une politique de la dette pour aider l'Afrique. C'est de l'illusion, c'est de la poudre de perlimpinpin, c'est du grand n'importe quoi. Les pays africains et les pays latino-américains devraient commencer à revendiquer, essayer d'avoir un rapport de force. C'est déjà quand même un début, en ce moment, la guerre en Ukraine, puisqu'on sait que les pays du Maghreb, avec le gaz, font du chantage aux pays européens pour faire avoir des reconnaissances sur l'histoire, sur les colonies, sur les crimes commis, etc. Donc on sent un basculement, une inversion du rapport de force. Et on sent que l'Europe et l'Occident sont en train de perdre du terrain et qu'il n'y aura plus aucune pitié des pays du Sud envers les pays du Nord et l'Occident. Et il y a une volonté claire de s'en prendre à l'Europe, de faire tomber l'Europe, de reprendre le pouvoir et l'hégémonie occidentaux et de reprendre sa souveraineté, de remettre en cause la supériorité et l'autorité des pays occidentaux. Et d'abandonner le multilatéralisme, c'est-à-dire ces grands traités qui incluent tout le monde et qui en réalité servent à dominer les pays du Sud par les pays du Nord, en les forçant à signer les traités et à obéir en fait aux injonctions occidentales. On va abandonner le multilatéralisme, on va faire beaucoup de bilatéralisme, c'est-à-dire chaque pays signe des traités avec celui qui veut en fonction de son intérêt. De toute façon, la Russie, la Chine commencent à se détacher. Il faut qu'on regarde pendant cette assemblée qui vote quoi, qui vote quelle résolution, qui vote sur quel sujet, etc. Parce que on sent qu'il y a une diminution de l'intérêt des pays du Sud pour le sort des populations des pays du Nord, les pays du Sud ne se sentent plus du tout concernés par le sort des pays du Nord. Aujourd'hui, c'est les Ukrainiens, demain, ce sera quelqu'un d'autre. Mais les pays africains, la Russie et les pays de l'Asie, outre essayer quand même de garder leurs partenaires économiques en Europe, essayer de ménager, on sent que l'intérêt pour les problématiques européennes n'existe plus vraiment et plus personne ne se sent obligé de porter secours à l'Europe à chaque fois qu'il y a un problème en Europe. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain édito. Salut!